Christophe Laporte, félicitations. Quel doublé et la manière aussi. Laporte. Ouais, c'est vraiment une super journée. C'était une journée vraiment difficile. A difficult day, but a great day. Super travail encore aujourd'hui. Toute l'équipe était assez incroyable. All the keep were. Ouais, et je suis content de l'emporter. Great. I'm very content. Il y avait la cohabitation, la collaboration avec Tige. Happy to win again. Ouais, Tige était vraiment très fort dans les montées. C'est vraiment lui qui a fait. I was strong on the climbs. La sélection dans les bosses, c'était le plus. I made the selections on the climbs. Et après, ça a bien collaboré dans le groupe. There's a good collaboration. Et il a commencé à avoir des attaques. Between the group. J'ai su saisir ma chance au bon moment. C'est incroyable, hein? Après Gent-Wevelgem, gagner cette course aussi. Ouais, c'est vraiment. Did you think you could win this? C'est vraiment incroyable, c'est dur. Well? C'est dur à analyser encore. Mais voilà, la condition est bonne. Après, well, my condition is good. Bien m'entraîner et revenir. I've been training well. Revenir bien, je pense que j'ai de la fraîcheur et j'en profite. I think I'm fresh. Et voilà, comme je le répète encore, on a vraiment une équipe très forte et ça pousse vraiment vers le haut. À part de Bruges-Lapanne, ça fait 5 sur 5 dans les, five les from courses five. De pavé pour Jumbo-Visma. C'est aussi incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est super d'avoir gagné les 5 courses pavées à part Bruges-Lapanne. On a fait deuxième avec Ola. Incredible to get five. Ça fait partie des plus grosses courses du début de saison et on les a presque toutes gagnées. Mais les deux plus belles arrivent aussi. Donc, the most famous race of the season on the pavé. On va garder le cap, on va faire de notre mieux. Ce ne sera pas chose facile. It's not an easy thing to do. Tout ce qu'on a pour essayer d'arriver. Je suis sûr que l'équipe va écrire maintenant que vous pouvez gagner aussi Flandre et Roubaix. Ouais, je pense que. Do you think you can win Flanders? Il y a trois hommes qui sont quand même au-dessus du lot. Donc avec Wout, we have three guys Pogacar that are et Van der Poel, donc that voilà, are, that are on a different level, Van der Poel, Wout, and of course Tadej Pogacar. But we think it will be looking after Wout. Merci beaucoup, Christophe Laporte. Eran las palabras de Christopher Laporte, ganador de A Través de Flandes 2023. Etapa totalmente llana de 185.6 kilómetros. Había terreno destapado y adoquinado. Y este ha sido el ganador, Christopher Laporte, corredor del Jumbo Visma. Y aquí tenemos el top 10 de la carrera en el día de hoy. Vamos a echarle un vistazo a ver quiénes fueron los que quedaron en este top 10 de privilegio de esta carrera. Primer lugar ganador para Christopher Laporte. Ahí está. Pedaleó 4 horas, 6 minutos, 20 segundos. Segundo lugar para Oyer Lascano López del Movistar. Entró a 15 segundos. Todos entraron a 15 segundos. Tercero para Nilsson Powells del Education First. Cuarto, Jasper Philipsen. Quinto, Mats Pedersen. Uy, todos estos ciclistas súper buenos se durmieron. Oiga. Sexto, Arnaud Elite. Sí, señor, se durmieron. Séptimo, David De Valerini. Octavo, Andrea Pascualón. Noveno, Oliver Legat. Y cerrando el top ten, Nils Polit del Bora. Así que ahí tenemos al ganador en pantalla, Christopher Laporte.